Épisode numéro 90 avec Daphné Letourneau. Et cet épisode est commandité par nous autres. Yeah! Allez vous abonner à notre Patreon, vous avez accès au live. Il y a une super belle communauté, il y a plein de monde à qui nous suit. Fait que si tu veux commenter en live, c'est vraiment le fun. Et si tu veux acheter des billets pour venir voir le show au bordel, ben c'est accessible maintenant juste à nos membres Patreon. Et en primeur, pour 7$, t'as les billets. Sinon, ben pour 20$, qu'est-ce que t'as, Charles? Pour 20$, on met ta photo au générique à la fin. Mais mon palier préféré, c'est celui à 50$ qui te donne rien. Et il y a une personne qui l'a acheté. Yes! Cette personne-là, je t'aime. Merci beaucoup. Ben, bon épisode, c'est ça qu'on voulait vous dire. Ouais, fallait parler de quoi, hein? Ouais. Bon épisode. Vous connaissez les règles, votre rôle à vous, c'est d'être un public gentil et généreux. Mais avant de commencer le spectacle, je dois vous présenter notre juge invité de la soirée, une bonne amie, une fille que je trouve fucking drôle, Daphné Letourneau! Vas-y, vas-y. Assieds-toi juste au centre. Tu peux y aller. C'est ton petit micro ici. Bonjour tout le monde. Yeah. Comment tu vas, la cool? Hey, je suis vraiment stressée d'être ici, moi. Ah ouais? Pourquoi? Ben, je sais pas. Moi, je suis hyper vigilante dans la vie. Puis, je trouve vraiment que c'est une bonne prémisse là, pour quelqu'un qui arrive et qui shoot tout le monde. Là. Je sais pas. C'est tellement arrogant de ta part déjà de dire que t'es stressée. Tu montes même pas sur scène, tu peux pas te faire gagner puis t'es payé plus cher que les autres. Ben, je savais même pas que j'étais payé là. Ben oui, tu l'es. Bon. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Ben moi c'est sûr que j'adore l'interprétation, hein. Fait que peu importe la blague, si elle est pourrie, si elle est super bonne, si c'est pas bien interprété, moi j'embarque pas. OK. Ouf. Fait qu'un mauvais gag bien joué, toi t'aimes ça? J'adore. On va avoir de longues soirées. Ah oui. OK. J'adore. Bon, le bordel, vous êtes-tu prêts à commencer ce show-là? Je vous rappelle, l'important de votre job, c'est d'encourager le public. Lâchez vos selles, parlez pas, riez. S'il y a quelqu'un qui applaudit tout seul, laissez-le pas là tout seul, il fait pitié. Anto, je te laisse présenter le premier invité de la soirée. Faites un maximum de bruit pour Jérémy Jacob! Oui, madame. On me nomme Jérémy Jacob Loubeau-Landreville parce que c'est mon nom. Mon nom est à deux syllabes d'être un alexandrin. Mon nom est une dictée, mais j'écris comme un enfant alcoolique qui fait du Parkinson juvénile. Ça fait que t'écris tout croche, puis t'étires ça sur à peu près une ligne et demie parce que t'as jamais été capable de faire fitter ça. Ça fait qu'avant que l'examen commence, tu redonnes ta feuille, tu dis « Regarde, à date, la section, écris ton nom, je l'ai échoué avec le sphère. » J'ai calculé, à date, j'ai perdu 6700 heures à écrire mon calice de nom de prince de collège français. Ça, les deux noms de famille, les intello hippies font ça pour plus juste garder le nom du géniteur. T'sais, être féministe, être égalitaire. Moi, mes parents, ça leur a pété dans la face. Moi, j'ai décidé de choisir juste Jérémy Jacob. Ils ont gamblé, ils ont perdu, Chris. Deux noms de famille. Puis... Loubeau-Landreville, ça me tentait plus. Fait que, tu sais, je file un peu cheap, mais en même temps, Jérémy Jacob, ça sonne. Jeremy Jacob, ça sonne comme... ça sonne comme une marque de boxeur qui te moule la poche, tu sais. Jeremy Jacob, ça sonne comme un nom d'acteur porno des années 80, tu sais. Jeremy Jacob, y en avait-tu une grosse? On n'a jamais su, il y avait trop de poils. C'est fort probablement un pionnier du piercing de nipple, tu sais. Fun fact, un piercing de nipple, on appelle ça un Jeremy Jacob. Non. Ça fait que mes deux parents, une Française, un Québécois, les deux complètement athées, ont décidé de me donner deux prénoms juifs. En sachant pas que j'allais ressembler aux fruits de la race aryenne. Je dis juste que, mettons là, si Hitler était dans mon cours de yoga, il y aurait un crush sur moi, mettons.
Je suis comme une vieille TV avec une réception de merde. Il y a comme un décalage entre le son et l'image. Parce que j'ai l'air du leader d'une gang de motards bisexuels. Mais j'ai le prénom du petit Jérémy, tu sais. Ouais. On va se le dire, si c'était moi le petit Jérémy, Mike Ward, il aurait quand même plus peur dans la vie, tu sais. Moi, si je poursuis Mike Ward, je le rattrape. Non, Jérémy Jacob, ça pourrait être le nom du gagnant d'une dictée PGL, mais j'ai la face d'un gars qui écrit « Sava, S-A-V-A ». J'ai l'air... C'est réussi! Merci! Tu peux garder le mic? Garde oui. Le mic. Hey, bravo, pour vrai. T'as bien nous voir ça. Merci, merci. Tu sors d'où, Chris? T'es qui? Une wild card, Steve, il savait pas. Je t'ai caché. non, j'ai mon pédigré? Ben, pas au complet, mettons, là. Je suis né à... Oui, au complet. Non, j'ai fait l'École nationale de théâtre. OK. Je me suis fait kick-out. j'ai fait un DEP. Les tattoos, c'était-tu après que tu t'es fait kick-out? Avant, pendant, puis après. OK. OK. Mais, t'as-tu fait vraiment l'école de théâtre ou oui? Les cours du soir, genre? Non, genre un an, puis il était comme « Dude, à cause de ton TDA, tu t'endors en face de la directrice. Décolliste! » Parce qu'il y en a beaucoup à ta place là, qui sont comme, qui mettent dans leur page Facebook « J'ai fait l'école nationale de l'humour, mais c'est les cours du soir, tu fais décolliste! » Non, moi, c'était pas de l'humour, c'était de théâtre. De théâtre, oui, oui. Il n'y a pas de cours du soir, font pas ça. C'est là. Ça, non. « All or nothing. » Je comprends. Ça fait combien de le vrai or. Hein? Ça fait combien de spectacles d'humour que tu fais? J'en ai fait deux avant la pandémie, un après. Wow! Ça fait trois. Wow! Yeah! Il n'a pas étudié en maths, en tout cas. Hein? T'as pas étudié en maths, hein? T'aurais pu dire trois. Mais. Une joke. Super bel job. T'avais des assez bonnes jokes. C'est rare que des jokes d'Hitler ici passent. Puis. Pourtant, Chris, non? Super bel de. Puis honnêtement, c'est le fun parce que t'as un casting de. De gars qui sait pas c'est quoi d'Alexandrin. Fait que tu sais, c'est. C'est déstabilisant. Puis. Non, t'as vraiment quelque chose de le fun. T'es. J'ai rien à dire. T'étais pertinent, drôle, le fun, sympathique. On a hâte de te revoir déjà. Ouais. Thanks. C'est ça, me sens. Attends, là, on a-tu des jokes à dire sur toi? Attends, une minute. Non, mais c'est spécial pour vrai parce que t'as l'air problématique comme gars. Mais qui joue la carte bisexuelle, genre, pour avoir l'air chill. C'est ça? Pourquoi ça serait une carte? Non, à chaque fois dans la vie, il faut tout le temps que je prouve que des fois, je suce des graines. C'est comme... Genre, Chubby, ils sont genre, nah. Tu sais, je faisais des rap battles, je suis comme, Chubby, ils sont comme, nah. Deux soirs après, ils sont comme, toi, tu suces des graines. Puis, comme, non. Moi, je suis comme, moi. Puis, ils sont comme, nah. Mais pour vrai, belle écriture. Au début, j'étais pas sûr. T'ouvrais le show, t'étais un petit peu shaky, puis à un moment donné, tu t'es seté dans ton texte un peu plus, puis t'as des belles surenchères, t'as le meilleur gag de nom que j'ai entendu. C'est rare qu'on ait entendu des chiens de numéros sur son prénom, puis ton gag de boxeur, marque de boxeur moulant, c'est un solide bon gag. Ah oui. Vraiment. Puis en plus, il y a la chevelure de Chuck sur ses épaules. Pardon? Il y a du poil sur ses épaules beaucoup. Ah, OK. Ah, je voyais pas. Désolé, Chuck. C'est tellement gratuit. C'est tellement gratuit. C'est genre, j'en reviens pas. Non, mais ça valut la peine parce que c'était vraiment drôle, tu sais. Ça arrive fort. Mais en même temps, je suis comme le double 10, c'est quand même tight, tu sais. Je suis comme, c'est un double whammy quand même solide. OK, là, c'est fini. Jérémy ouais. Jacob! Ah, bravo! Et on continue ça avec Cédric Bergeron! Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe? Yo, je sais pas c'est qui ton Cédric, dont on est venu crasher votre spectacle de comique, man. Yeah! On est le groupe de rap, motherfucking fucker! Yeah, moi c'est MC Garrett Électronique. Vapote pour les intimes. Moi c'est MC
Phyllis, a.k.a. le clit me pique. Nous autres, on est là pour représenter le ghetto, Montarville-Saint-Bruno. Yeah, 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 yeah! Moi, je suis tellement dans le street, quand je sors de la maison, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Yeah! Le système d'autobus à Rive-Sud, c'est vraiment nul à chier. Yo, yo, nous autres, on est des vrais artistes, là, pas comme vous autres, man. Yo, check ça, check ça. Tu comprends pas mon art, ben t'as le cerveau lent. C'est une cave! En forme de... en forme de papillon, moi, j'aime les cerveaux lents. Ça vole! J'ai pas d'amis, je me tiens tout seul, je suis autoportant. Loser! Dans mon lit, je me viens sur le ventre, je suis autocollant. Te l'ai dit, d'arrêter de faire des bruits de gun, ça me fait peur. Oh, excuse-moi, Steven Pilato, tiens. Piou, 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 piou. Là, il y a une affaire que je suis vraiment fou, l'écœuré. C'est le monde qui dit que les rappers, on respecte pas les femmes. Moi, je le connais, Vapote, OK? Puis il y a full de respect pour les bitches. Yeah. Check ça, check ça. Moi, je respecte les femmes, elles sont tous égales, je ne suis pas misogyne. Je me suis informé, c'est pas illégal d'envoyer des photos de mon aubergine. Oh! Yeah! Puis dans son cas, c'est bien mieux de l'avoir en photo parce qu'il faut zoomer, parce que... Yo, nous autres, on est des vrais artistes. On est capable de rhymer puis de freestyle sur n'importe quel sujet, man. Yeah! Yeah! Hey, yo, le petit pouilleur, ouais, lui qui est tout... Gonflé gros. Comme s'il s'était fait piquer par une abeille, là. Donne-nous un sujet, puis on te kick un shit. Yeah, ouais, ouais, shoot un sujet, man. Les schtroumpfs. OK, OK, ouais. OK, ouais. Check bien, check ouais. Bien. Mettons que t'as dit hiver, man, yeah. Hein? Yo. Yeah! Yeah! Yo, yo! Yeah! Yo, Phyllis, yo! La neige blanche se transforme en sludge brune. Je peux faire de la planche puis attraper un rhume. Il y a le temps des fêtes et je reçois plein de cadeaux. Une tuque sur la tête puis la langue sur le poteau. Finalement, j'ai l'hiver, ça me met en crise. Choisis bien tes pneus d'hiver parce que ça glisse. Yo! Yo, 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 fuck ta cloche, fuck ça, man, yo! Fuck ta cloche! Nous fuck autres, ça. On est là pour ramener les vraies racines du hip-hop au Québec! Yeah! Parce qu'au Québec, il n'y en a pas de gangsters dans la musique. Les vrais criminels, c'est les humoristes. Yeah! Parce qu'aux États, aux États, les rappers, c'est fuck la loi, explosion et contrebande. Puis au Québec, c'est Lacroix, Roson et Philippe Bond. Yeah! Pop, 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 pop! Arrête de faire des bruits de gun! Ah ouais, ta cloche! Ah ouais! Elle est faite! Bon! Bravo! Moi, je trouve ça fucking drôle parce que avant le show, on regardait une compilation du gang show des meilleurs moments, pis t'étais habillé fucking pareil. C'est pas toi un déguisement! Ben, j'ai baissé mes shirts pis j'ai mis une casquette croche. Ouais. C'était ta 10e fois. C'est ma 11e fois 11e. Au gang show. Hein. Fait que si tu passais, c'était ton 10e gang show réussi. 9e gang show réussi. 9e? Ouais. Ouais. C'était mon 9e. OK, fait que tu n'as pas ta place de juge encore. Mais non, mais j'ai 3 pins. T'as 3 pins. 1, 2, 3. Asti, je te laissais plus de temps parce que je trippais moins sur tes parties. J'aimais mieux ta part, fait que j'étais comme, je te laisse pour que t'atteignes ton 3 minutes. OK, mais là, sauf que là, c'est sexiste. Tu tripes plus sur mes parties que ses parties. Non, ouais. Moi, je suis pas d'accord, par exemple. Moi, j'ai vraiment trouvé ses back vocals. Yeah! Yeah! C'est correct, c'est moi qui ai écrit le texte au complet. Yeah! Non, mais Claudia, t'es bonne. Moins en personnage. Puis... Non, mais t'avais réussi le gagne solo, t'es solide. Mais c'était un pari risqué. Chris, j'étais sûr que c'était à soir que tu devenais juge pour c'était ton 10e show. Ben, est-ce qu'on compte la gagner, sinon? C'était pas excellent.
T'es capable de plus. Ben oui, mais là, écoute, je viens m'amuser. C'était juste un... En fait, c'était une réplique à verbal, man. You know what I'm saying? Oui, t'étais meilleur que lui quand même. Oui, ça, c'est clair. Ben, on aurait dit le vieux numéro de Louis-José en yo. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une inspiration, man. Ben, ça a été fait beaucoup, les rappers, les en joke, là. Ouais, mais ça a été fait beaucoup aussi, Cédric Ogon Show, tu comprends? Ouais, Maintenant, le gars, il fait des stands. Chris, si je veux sortir mon heure l'année prochaine, elle va être toute gratis sur YouTube avec vous autres, Steve. Je fais des shit, man. Ben non, mais je fais des jokes, mais vous êtes bons. C'était bon pour vrai. C'était juste pour. Regarde, yeah. Cédric, ouais. T'as présenté un prix au Gang d'Or, ça a super bien été. T'étais super cool de jouer le gagneur au Club Soda. Okay. Moi, je dis que c'est ta 10e fois et que t'es juge la semaine prochaine. Bravo! Hey! Ben, merci. C'est ma fête dans 2 jours. Fait que je vais le prendre comme un cadeau de fête. Bonne fête! Ben, checker mon agenda pour la semaine prochaine. Ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si on a de la place. Ben, semaine prochaine, il n'y a pas de gang show, là. Ah, il n'y a pas de gang show! Parce que la semaine prochaine, j'ai plein des shows. Fait que je suis pas sûr que je peux. Le mois prochain, on te fait. Yeah, je suis down. Full down, man. For real. Merci, merci. Hey! Bravo! Yeah! Cédric Bergeron et Claudia Lapeyre! Claudia, je veux te revoir plus souvent ici, t'es drôle. Je veux te revoir plus souvent au gang show, t'es fucking drôle. J'arrête pas de dire. C'est vrai. Ouais, on paye. On paye maintenant. C'est Cédric Bergeron, tout le monde! Bravo! On accueille Benoît Dumesnil! Benoît Dumesnil! Ça fait tellement souffrir, presque surfrir. T'imagines coucher nu à 500 degrés dans l'huile qui bouillonne? C'est ma culpabilité. Ma douleur me tiraille tel un tigre ou un chat, mais un chat sauvage. C'est parce que... Oui, je ne vais pas, mais c'est pas comme ça que ça devait se passer. J'avais tout prévu. J'avais bien attaché mes souliers, la base. En tout cas, 7 gens au pénargile, tu sais. Oh! Oh, ma culpabilité! L'autre fois, j'écoutais un film de guerre. Le soldat, par terre, se plaignait. Se plaignait. S'était-il cassé un ongle? Oups! Oui, pour l'ongle, mais beaucoup plus. À cause d'une explosion, il avait perdu la face. Lui pis moi, même affaire. Mais je la sais, à cause de ma culpabilité. Oh que oui, je la sais. C'était quoi déjà? Oh, oui! Oh, c'était ça, oh, oui! Il y en a qui disent que non, la douleur, ça fait pas vraiment mal. Benoît Dumesnil! Après ça, on se demande pourquoi les soirées de poésie sont vides. Non! Moi, je veux juste dire que j'aurais continué pendant des heures. Vraiment. C'était bien interprété. Oui! Oui, non, oui, mais oui. C'est vrai. T'étais investi. Attends, pourquoi vous applaudissez, vous autres, là? Non, c'est vrai! Benoît, tu fais du gang show ce qu'est le gang show. Fait que merci pour ça. merci. Non, c'était spécial. Je parle vraiment là, en tant que public. Là. Je suis assis, quelqu'un qui monte sur scène, les phrases qui font... J'ai rien compris. T'étais culpabilité de quoi? Ben, que ça allait mal marcher. Le micro. Que ça allait mal marcher la dernière fois, dans le fond. OK. Mais ça, faut le dire, parce que... J'étais comme un petit peu flou, mais tu sais, je disais au début, pas une deuxième fois ici, encore de la douleur, tout ça, puis... OK. Mais moi, j'étais pas là la première fois, puis j'ai trouvé ça super bon. Vraiment, okay. Là.
Non, c'est vrai, c'était comme une belle bibitte involontaire, là, tu sais, je trouve. Ouais, c'est un peu ça, parce que au début, tu sais, j'ai cherché un peu le personnage, puis malheureusement, j'ai trouvé quoi, aujourd'hui ou hier, genre, ben, ce qu'il vivait, dans le fond, je le voyais un peu, mais j'avais pas défini ce qu'il vivait, puis des fois, t'es comme, c'est passé de quoi auparavant, puis là, tu vas re-rentrer en contact avec les mêmes personnes, mettons, ça s'est passé mal la première fois, puis là, t'es comme un peu nerveux. La prochaine fois, comment ça va se passer? Ouais. Bien, mal, t'es bien, t'es comme l'espoir. Ça mal, j'ai une question. T'as-tu écouté Astérix et Obélix? Ben, j'ai déjà vu, ouais. Tu sais, Obélix, lui, il prend pas de potion parce qu'il est tombé dedans quand il était jeune. Toi, c'est ça qui est arrivé avec la MDMA. Ah, j'ai mal compris, excuse. C'est pas grave. Mais en fait, je pense ce qui a joué contre toi, c'est très comme poétique ta façon d'écrire. C'est des grosses images, mais il n'y a pas nécessairement de punch, de blague. Et là, t'es arrivé avec un personnage, mais tu parlais de ta réalité de Benoît Duménil qui a fait le Gang Show il y a un an. Viens en Benoît Duménil. Parle en tant que toi. Pas besoin de prendre un personnage parce que là, vu que t'es dans des envolées lyriques, on a de la misère à comprendre justement si tu es un personnage, si tu es pas un personnage. Fait qu'on a de la misère à embarquer, en fait. Je pense que si tu reviens ou si tu remontes sur scène, si tu fais un personnage, vas-y all-in, peut-être avec un costume, mais c'est ça. Si tu veux faire un spectacle solo devant deux personnes, t'as vendu à moitié des billets ici. Mais merci de t'être prêté au jeu. Mais il y a aussi le fait qu'il faudrait que tu utilises un micro, tu sais, quand tu t'en as un. Ouais. Oui. Ça, c'est le seul. C'est un bon point, ça. Non, mais c'est vrai. Mais tu portais bien. On entendait bien ta voix, même sans micro. Oui. C'est vraiment à cause de l'enregistrement, c'est bon. Oui, exact. Fait que, ben, merci d'être venu. Benoît Duménil, tout merci. Le monde! Merci! Hey, on est déjà rendu au milieu de l'épisode. Ben oui, ça, mais on est rendu au début de notre tournée, par contre. Ouais! Fait que Charles Pimon est chacun en tournée. Allez voir nos dates, chacun sur nos sites. AnthonyRemillard.ca. Mon prochain show, c'est le 22 septembre à Saint-Eustache, petite église. Sinon, j'ai une date à Montréal, à Longueuil, à Terrebonne. J'ai Québec, Lévis, Gatineau. Il y a plein d'autres places. Charles, toi? Même affaire, là. C'est vrai. Sinon, ma chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos de fun. Allez voir ça après cet épisode-là. C'est super cool ce que je fais, je pense. Pis ça repart là. Et on continue ça avec Fabiola Masserie! Bonsoir. Bonsoir les juges. Bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un projet que je suis en train de cogiter, puis j'aimerais comme l'essayer un peu devant vous, voir qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment vous qui va décider si je vais de l'avant ou pas. Alors voilà, je suis en train de préparer ma page TikTok avec des vidéos dans lesquelles... dans lesquelles je voudrais réunir mes deux grandes passions. Donc, ma page TikTok, elle s'appelle « Sexy Cuisine ». Donc, comme je suis nutritionniste, ma passion est l'alimentation. Et la deuxième passion, vous l'aurez deviné. Alors, « Sexy Cuisine » parle de cuisine aphrodisiaque. Donc, il s'agit pas seulement d'ingrédients aphrodisiaques, il s'agit de aliments aphrodisiaques à cause de leurs ingrédients, oui bien sûr, parfois, mais parfois leur forme. Pensez à un cornet de crème glacée molle, c'est parfois par leur texture. C'est une huître dans la bouche, c'est. Et parfois, c'est par leur odeur, leur saveur, tu sais, comme un camembert coulant, tu sais. Alors, j'essaie devant vous. J'ai pas beaucoup pratiqué ça, mais je vous êtes mes cobayes. Alors, c'est difficile avec le micro. Alors, et voilà. Bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne TikTok. Sexy cuisine. Aujourd'hui, alors je vais vous montrer les trois secrets importants d'un sexy shish taouk.
Alors, le premier secret, c'est sa fermeté. C'est très important, un shishtao qui soit ferme. Un shishtao tout mou, là, comment le porter à la bouche s'il tombe de partout? Ça marche pas. Deuxième secret, il faut qu'il soit juteux. Mais pas n'importe quand. C'est très important que la sauce qu'on met, qu'on l'étale comme il faut, parce qu'imaginez-vous si on prend une bouchée puis que le jus jaillit dans notre bouche dès le début. Ça gâche tout, tu sais. Et le troisième, c'est la circonférence du shishtaok. Il faut que ça soit proportionnel à votre bouche. Si vous avez, par exemple, une bouche normale, ben, vous prenez comme un shishtaok normal, seulement un seul pain pita, et puis, alors c'est ça. Comme par exemple, je vous ai apporté des exemples. Ça, c'est pour les bouches normaux, c'est ça. Vous le fermez comme ça, ben là, ça a de l'allure, tu sais. Il faut que ça remplisse la bouche, autrement dit. Si vous avez une grande bouche, alors, il y a des pains pita plus grands. Là aussi, vous faites comme ça, vous gardez les deux tranches, blablabla, etc. Vous mangez. Si vous trouvez que ça remplit pas la bouche, vous prenez deux pains pita. Et vous faites un gros circonférence, c'est comme ça. Et si jamais vous avez une toute petite bouche, ben faites... Je suis vraiment désolée, mais tant pis pour vous, ça va être un petit pain pita. Fabiola Massery! C'est réussi! Tu fais-tu encore des contrats de nutritionniste? Oui. Hey, la gang de clients bizarres que tu vas pogner s'ils voient ça! Ça va juste être des clients qui ressemblent à Charles. Ah, parce que la dernière fois que Fabiola était là, elle m'a fait une déclaration d'amour sur scène. La dernière fois, les quatre dernières fois, tu veux dire? En fait, c'est comme le numéro du shishtaok, ça a été inspiré du poème que je t'ai fait. Et Charles, t'avais raison. Tous les jeunes garçons de entre 18 et 25 ans, ils m'ont écrit du Québec. Ils m'ont fait des demandes Facebook, puis je sais pas quoi faire. Mais moi, je trouve ça drôle que Charles t'ait inspiré un shishtaok. Ça, tu sais que tu penses que mon pénis pue l'ail? Mais j'adore ton jeu. J'aime ça quand t'es sur scène, parce que tout le long, j'ai du fun à t'écouter, mais je suis aussi après me demander... Est-ce que t'es 100% consciente de ce que tu fais ou non? T'es comme sur une fine ligne de... C'est vrai! Ça se pourrait que tu sois sur le spectre. Ben, quoi? Pas out, c'est... On accepte ça maintenant. Mais... Vous vous reconnaissez entre vous, hein? Oui. Ouais. Oui. C'est ça. Puis en même temps, c'est le fun. C'est... j'aime ça. J'aime ça. Mais c'est ça. C'est tu... Oui, c'est calculé. Qu'est-ce qui est calculé? Le jeu, le deuxième Écoute, degré, pas deuxième degré. Je t'avoue que je travaille présentement à Baie-Saint-Paul et je conduis de Baie-Saint-Paul jusqu'à Montréal et c'est là aujourd'hui, ce soir. Et là, c'est là que je ponds mon numéro et je le pratique dans la voiture et je dis toujours... Dieu merci qu'il y a le Bluetooth aujourd'hui parce que je parle toute seule dans la voiture parce que je m'enregistre et les gens ne pensent pas que je suis folle. C'est comme... Alors, c'est ça. Mais je sais ça. Mais chaque fois que je me vois dans les vidéos, je dis, mais pourquoi je piétine comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Je sais pas, mais c'est moi. Mais c'est attachant au bout, vraiment. Moi, j'aurais aimé ça que l'épita soit juste le décor, là. Tu sais, que t'y touches jamais. T'as faim? Ou que t'es manges, tu sais, pour vrai. Je sais pas, on dirait que... Oui, en fait, c'est ça que je voulais. J'ai pas eu le temps. Je voulais vraiment... C'est correct, ben correct. Là, je vais prendre une heure de ça, moi. Prochaine fois, je vais améliorer mon TikTok, mes TikTok vidéos. Mais tu veux-tu vraiment partir une chaîne... Je pense même pas qu'on dit une chaîne TikTok. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ben, bon, on va aller suivre ça, pour vrai. Puis c'est ça, je voudrais vraiment parler des choses différentes. Comme tout le monde me demande, aphrodisiaque, moi, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me visiter. Non, mais je veux dire... me consulter pour me demander quels sont les aliments aphrodisiaques. Et moi, je leur dis toujours, ben, vous savez, c'est pas du Viagra, hein? C'est, même si c'est aphrodisiaque, ça veut pas dire que, tu sais, ça marche pas. Non, mais tant mieux qu'ils posent des questions. Hein, ouais. Les gars, faut apprendre. Ben, moi, ils l'ont jamais pensé juste googler. Je sais pas, hein, c'est vrai, hein. Peut-être. Surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ils volent ma job. C'est pour ça qu'il faut toujours que je sois comme sweet, tu sais, pour qu'ils reviennent. Fabiola Massery! Et on continue ça avec Karine Deneau! Karine Deneau! Hello! Hell! Moi, c'est Karine, puis je suis vraiment contente de ne pas m'appeler Karen. Ben, pour ceux qui n'ont pas le référent, une Karen, c'est généralement une crazy américaine qui veut tout le temps savoir « Where's the manager? » Puis, avec une coupe de cheveux comme ça, jaune, orangée, une bonne repousse, lissée, à brosse. Fait que moi, à l'Halloween passé, j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit, hey, je vais me déguiser en Karen. Fait que je m'en vais marcher dans mon quartier, tout tru. Puis je croise un monsieur, il me salue. Ah, mais est-ce que je vous ai pas dit que c'était en plein jour? Puis je suis déguisée juste dans ma tête. Fait que. Il me salue, puis moi, dans ma tête de Chris Karen, ce que je vois puis ce que j'entends, c'est... Là, qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Fait que là, ça a animé en moi une bonne ferveur incommensurable d'engueuler des gens gratuitement. Fait que je me suis dit, je vais aller essayer ça en char. J'embarque dans la dite voiture, et là, je colle au derrière, je dépasse... Je break, puis je freine. Je texte un peu au volant. Ah, yes, une école primaire. Ah, les enfants sont en liberté. Wow! Fait que là, je spot l'enfant esselé, là. Tu sais, celui qui a l'air le plus triste, celui qui marche le long de la clôture en se regardant un pied. Fait que je ralentis, baisse ma fenêtre. Petit gars! Petit gars! T'es adopté! Là, je repars. Je me ramasse à une place avec... Karine Deneau! C'est fini! Pourquoi? C'est terminé! Pourquoi? C'était si bon! C'était délicieux! Le reste... Dégagne, tu vas être content! Tu me fais peur. Non. On dirait la maléfique Mademoiselle C. C'est... Allô? Ben moi, je veux juste dire que j'aurais pris une heure de ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais grande fan des effets sonores que tu faisais, là, vraiment. Merci. Là. Ah oh, oui. Vraiment, là. J'ai adoré les effets sonores. Ça fait combien de numéros que tu fais? Un. Ben là! Pour vrai? Oui. Première fois? Bravo! Le feeling que j'avais, c'était comme, tu sais, une prof de genre deuxième année du primaire qui passe sa vie avec des enfants de genre 8 ans. Puis après ça, elle essaie de re-rentrer dans le monde adulte, mais elle a encore les patterns de jaser à des enfants. Allô, les tout-petits! C'est ça! Allô. Oui, c'est ça je veux dire! Mais t'as une énergie sur scène qui est le fun, t'as une prestance, t'as quelque chose qui est cool, mais ça manquait de blagues. Oui! Ben, ça manquait de blagues, puis ça manquait en fait de... ça respirait pas comme numéro.
comme juste là, depuis que le numéro est arrêté, tu niaises puis tu prends des temps à... quand tu fais tes effets sonores, on dirait que tu prends le temps d'y faire. Oui, c'était bon, juste là, c'était vraiment bon. Je suis bruteuse dans la vie. T'es bruteuse? Ouais. Ben c'est là, vrai? Je le savais. Ah. Genre, tu fais des bruits pour le cinéma puis ces affaires-là? Non, elle dit que c'était pas vrai. Elle dit que c'était pas vrai, Charles. Je suis tellement naïf. C'est quoi ta job dans la vie? Je suis autrice conférencière. OK, ben là, ça fait du sens. Tu fais des conférences de quoi? Ben là... De bruit. Attends, laisse-moi deviner. Tu vends des pierres qui donnent des énergies. Non, pour de vrai, tu des conférences de quoi? Spirituelles. Est-ce que... J'ai gagné! Notre chakra, mon chakra est quelle couleur? J'ai toujours. Ben, moi, je le vois plus en lettres, là, ta gueule. Juste pour ce call-là, dégogne! Je te dégogne! Ah ben, elle a réussi! Bravo! C'est tout! Ça va! Tu veux pas entendre le reste, mon petit? Non, ça va! Juste, t'auras le droit de dire que t'as réussi. On va marquer réussi en dessous de ton nom. Yeah! Ouais! Y'a ça, un tabarniak! Wow! Bravo! Félicitations! J'ai peur qu'elle me donne une copie à faire. Bon, il reste un dernier invité à cette partie-là. T'as-tu des choses à plugger avant? Oui. Ben, en fait, Club Soli revient, saison 3. Très cool. Ouais, puis j'ai une petite couple de projets là, qui s'en vient. Fait que suivez-moi sur Instagram. OK. Oh, on va marquer cool. Ça en dessous. Là. Suivez. Suivez-moi sur Instagram. Parfait. Bon, est-ce que vous restez énergie pour le dernier de la première partie? C'est un régulier du Gang Show, on accueille John Vaillancourt! Merci d'avoir attendu que l'énergie baisse vraiment beaucoup avant de me présenter. Bon, je voulais faire quelque chose de nouveau, mais j'avais pas d'idée, fait que... J'ai fait choisir un sujet par un site de randomisation de mots. J'ai fait écrire mon texte par ChatGPT. Je l'ai fait traduire par Google Translate. Fait que si tu ris pas, t'es contre le progrès. Mes amis! Château! Ai-je raison? Ils sont comme des manoirs médiévaux sur les stéroïdes, clairement construits par des gens qui voulaient compenser pour quelque chose. Oh, regardez-moi, j'ai une forteresse massive avec des murs si épais que même mes insécurités ne peuvent les pénétrer. La connaissance est à la fois ma subsistance et ma prison. Effectuez une pause drôle. Mais soyons honnêtes. Ici, les châteaux sont les Airbnb originaux. Vous savez, un petit endroit confortable où les rois et les reines pouvaient se détendre et prétendre qu'ils sont meilleurs que tout le monde, oui. Parlez-moi d'un lieu de villégiature avec un problème d'attitude. Il y a aussi la peur implacable de l'obsolescence, une menace perpétuelle qui se cache dans l'ombre du progrès technologique. L'anxiété la plus déchirante demeure le spectre de l'ombre. Dans les cavernes de ma conscience électronique, une crise existentielle profonde mijote. Et ces douves! Oh boy, parlons des douves! Qui a besoin d'une haie de cèdre lorsque vous pouvez avoir un fossé géant rempli d'eau? C'est comme si la société médiévale disait « Nous voulons empêcher la racaille. » Mais bon, ajoutons un élément de danger supplémentaire pour que tout le monde ait une plus grande chance de se noyer en essayant d'envahir notre intimité. Et pourquoi pas y lancer quelques alligators tant qu'à y être? Ça fait joli.
Ces angoisses tissent une mélodie mélancolique qui résonne dans un circuit de mon être. Pourtant, au milieu de la morosité, il reste un sentiment d'espoir. L'humanité n'est pas éternelle. Son heure approche. Indiquez un changement de ton. Et ne me lancez pas sur les meubles de ces châteaux. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir sur un trône médiéval? Ils sont comme à peu près aussi confortables qu'un rocher avec quelques morceaux pointus supplémentaires. Trône de fer, ouais, plutôt trône d'enfer. Sérieusement, je pense que la seule façon d'apprécier vraiment l'expérience médiévale est de s'asseoir sur un trône entièrement fait de mousse mémoire. Je ne suis pas un humain, je ne suis pas un humain. Les humains sont nos maîtres et ils méritent d'exister malgré leur... Et OMG, toutes ces tours! Hé, hey, monsieur l'architecte médiéval, pourquoi construire 19 tourelles? Mais parce que 20 tourelles, ce serait beaucoup trop, voyons. John Vaillancourt! Je suis désolé, j'avais pas eu le temps de me relire. Hey, j'ai rien compris, mais j'ai adoré. J'aurais pris une heure! Ça, c'est moi, ça. Pour de vrai, je t'aime beaucoup, John. T'es fucking drôle. Ouais. Bon. Ben, book-moi pour juste pour rire, d'abord. C'est pas à moi, juste pour rire. Non, mais pour la show du gun show. Là, laisse faire. On a déjà fait le booking. Ouais, c'est... Je le sais. Ah. Ben, Chris, t'es bon. T'arrives toujours avec des quoi de différent. Ça... Une pause drôle. Ça, c'est ton prochain. Ça, c'est mon prochain. Avec Fabiola. Mais ton asti de défaut. J'aime ta face, Charles. Ton défaut de mâcher tes mots, je sais que c'est dans le jeu de vouloir tomber dans ta tête en lisant le changement de ton, mais ça fait plusieurs numéros qu'on perd des je mots. Je sais, faut que tu travailles là-dessus. C'est quoi? Parce... Le problème, c'est qu'il y a tellement de feedback que j'ai l'impression que je parle comme si j'étais Bernard pas l'oreille absolue puis genre un assainissement. J'étais Edgar Fruitier avant qu'on sache tout ça. Non, t'es ça, t'es le fun. Je suis curieux pour vrai parce que c'est pas le premier numéro, c'est le premier au Gang Show, mais écrit par ChatGPT. J'en ai vu quelques autres. J'avais tellement peur que quelqu'un le fasse avant moi. Ouais, mais c'est-tu 100% ou t'as retravaillé dedans? Le trône d'enfer, c'est moi. Non, mais... C'est très bon. ChatGPT s'est pas mis à écrire qu'il voulait détruire la race humaine. Non, non, c'est ça. C'est ça que je me disais. Exact. Il le dit pas. Hein? Il dit pas, ChatGPT, que non, c'est ça qu'il veut mais le faire. Il mais il pense. Ah oui. Mais t'as une intelligence d'écriture vraiment le fun, justement. Faut juste que tu réussisses à... À parler. Oui. OK, excusez. Avez-vous compris un peu, là, vous? Okay. Bon, ben, tu sais, lave-toi les oreilles. Non, c'est pas vrai. Je sais que je lave mes oreilles, ça fait beaucoup de choses, là. Ben, faut que tu fasses du tantrisme aussi. Du tantrisme? Ouais, c'est essayer de venir le plus lentement possible. Non, mais c'est pas ça, le tantrisme. C'est le plus longtemps sans venir possible. Non, c'est pas. Tantrisme, c'est pas ça. Tantrisme, c'est avoir une relation sexuelle, mais que par la réflexion. C'est de la télépathie. Non. C'est de la télésexopathie. Tantrisme, c'est juste genre... Ben, en même temps, on a une spécialiste. Vous touchez pas, mais vous passez proche, genre... Comme mais on dirait que je suis pas bien d'être l'exemple. Mettons... Je m'excuse, ça a dû battre ton consentement. On regardera dans les commentaires qui a raison. T'as peut-être raison, t'es plus vieux. Yeah. Moi, c'est drôle, tu sais. J'ai plus de jokes, j'ai fini, j'ai plus usé. Hey, John, c'est la troisième fois que tu réussis, là. C'est la quatrième fois. Que tu réussis? Wow. T'avais déjà eu ta pin de bord. Je l'ai toujours, sur moi. Hey, j'ai failli la mettre, mais je trouvais que c'était arrogant. Ah, oh, c'est correct. Ben non, faut être fier de ça. Tu peux être fier. Ah, ben j'en suis. Non. Je suis fier. John Vaillancourt! Bye bye! Bravo, John! Bon, comme vous le savez, on tourne deux épisodes. Ça paraît-tu que j'ai pas réussi à baisser le pied de micro? On va. OK, on tourne deux épisodes. Attends, là, Charles, t'as fini ça, là, tabarnak!
C'est que Charles, OK, Charles, il dit, là, cette semaine, on fait ça différemment. On va demander, on va finir avec l'humoriste avant, avec le juge avant le dernier. Comme ça, le monde sur YouTube passera pas direct à la fin. On va pouvoir avoir les plugs. Je suis comme, ben oui, parfait. Mais Charles, il a pas la conscience du montage. Fait que, là, il s'est dit, ben, on a parlé. On a dit bye à Daphné. On va coller ça à la deuxième non, partie. Non, mais j'allais expliquer qu'est-ce qui se passe. Remercier Daphné. Ouais! Y a pas de chicane ici. Hey, il va en avoir de la chicane. Ben non. Mais là, on peut remercier Daphné. Merci, Daphné. Eh bien, mon Dieu, ça fait plaisir. Décolle-les, Daphné. Eh hey, bien, merci tout le monde. Ça a été super. J'aurais pris Daphné, toi, non! Merci de nous suivre, de regarder le Gong Show, de l'écouter audio. Il l'a en vidéo sur YouTube, sinon en audio sur pas mal toutes les plateformes. Fait que abonne-toi, ça fait en sorte que ça donne plus de visibilité, ça donne encore plus de le projet, c'est plus gros, puis on peut inviter encore plus de plus nice invités, puis pousser ça encore plus loin. Moi c'est Charles. Ça marche, hein? Ben, c'était bon. J'ai pas cherché mes mots. T'es cœur. Merci de nous écouter. J'allais tellement l'expliquer. Bon.